plaider la cause des athlètes russes. Évidemment, elle l'incarnait à merveille. Une jeune athlète russe qui va aller pour la première fois aux Jeux Olympiques et qui rêve encore de cette compétition, de cet idéal olympique. Donc, on va dire assez intelligemment. Bon, là, on voyait, mais ça n'a pas beaucoup changé la donne. Mais c'est vrai que du coup, elle est devenue un petit peu la porte-parole de cette équipe de patinage russe. Une médaille d'argent après deux titres de championne pour Evgenia Medvedeva. Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пробой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Le point levé, le point serré, Evgenia Medvedeva. Ouais, hier, c'est quand même celle qui a été la plus longtemps applaudie. Hein. Elle est restée longtemps sur la glace après la cérémonie protocolaire, après les podiums. Elle était vraiment acclamée par le public. Elle est quand même double championne d'Europe, double championne du monde. Hein. Donc, respect cette grande championne qui détient le record du monde de points et qui n'avait pas été défaite depuis novembre 2015, Pascal. Fallait bien que ça arrive un jour. Il faut quand même expliquer que cette blessure qui l'a tenue éloignée des patinoires pendant deux mois, probablement y est aussi pour beaucoup sans nier le talent d'Alina Zagitova. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de patineurs ou de patineuses qui auraient été capables de revenir à ce niveau-là après deux mois d'arrêt, après cette blessure. C'était la première fois pour elle. Et c'est vrai que du coup, elle n'a pas du tout boudé son plaisir de cette médaille d'argent. C'était une sorte d'exploit aussi pour elle. Ouais, elle a expliqué qu'elle a fermé les yeux dans le Kiss and Cry Corner pour vraiment enregistrer le moment.